C'est Oliver Plasma et nous sommes partis pour un jeu culte, un jeu incroyable, un jeu monumental, un jeu qui a fait tellement un buzz que c'est tellement incroyable et c'est parti pour une vidéo découverte de ce jeu qui est Train 2 Direct Cut. Non, en fait je connais pas. Voilà, c'était la petite blague du début. Voilà, Train 2 Direct Cut démo. Petite démo, voilà, parce que j'avais bien aimé ce concept, voilà, de faire des démos. Et nous avons un magnifique temps de chargement, si beau que, et si enchanteur, avec une magnifique couleur bleutée à l'écran. C'est, je trouve ça magnifique, moi. Je suis déjà enchanté par le jeu, même si j'ai jamais vu l'image. Enfin si, je crois que j'ai une idée de ce que c'est. Ça existe pas sur PS3 ce truc-là aussi. Enfin. On va voir. Bon, le problème, moi, c'est que j'ai le son très bas et... Ah bah si, il me dit quelque chose, ce jeu. Ah, je l'ai vu, je crois qu'il était à 20€, hein, une connerie comme ça. Donc, c'est pas très cher. Ah mais non, non, c'est pas celui-là, on dirige pas le même héros. Non, ça ressemble vraiment, par contre. Un autre jeu, mais je sais plus le nom. Ok. C'est un peu con-con. C'est quoi, c'est Donkey Kong là? Une plateforme. Ah bon, on peut appuyer sur Start, lancer la démo. Il était une fois trois vaillants héros, choisis par un artefact magique connu sous le nom de Train. À l'issue de leur première rencontre, ils devinrent les champions de leur royaume. Je vais vous raconter leur dernière aventure. Le mystère et la magie avaient envahi la forêt. Ok, c'est DreamWorks. DreamWorks. J'ai du mal, moi, avec l'anglais, j'en ai marre. Peut-être pas le plus courageux. Ouais, c'est DreamWorks, hein, à moitié, attends. C'est ça. Amadeus, le magicien, dormait dans sa chaumière. C'était là qu'il étudiait son sort de boule de feu, à l'abri des regards dédaigneux de sa femme. Oh, éteignez ça. Laissez-moi dormir. Qu'est-ce qui se passe? Qui est là? On commence à jouer, attends, je vais baisser le son, parce que moi, j'admire les cutscenes avec vous, avec le son un peu plus fort. Ah, on peut se déplacer, c'est vraiment Merlin l'Enchanteur, le bonhomme. On dirait un World of Warcraft, mais en étrange. 2D. Ça, c'est magnifique. Je m'attendais à plus moche, en fait, c'est beau. Bon, par contre, je mets le son tellement bas, je vais mettre quand même un peu plus haut, parce que... Pour admirer un peu la bande-son, je sais pas. Donc Z pour sauter, et A, je sais pas. Je sais pas ce que c'est, hein. Si, c'est pour sauter aussi, je suis con. Ok, deux boutons pour sauter. Déjà, tu te dis qu'ils vont pas utiliser tous les boutons du gamepad. Ah bah je peux voir aussi sur le gamepad, est-ce qu'on peut faire un truc? Ah d'accord, je peux placer des blocs avec le gamepad là, en utilisant le stylet. Mais on peut faire la même chose avec le bouton R, enfin le stick droit.
Et je sais pas à quoi ça sert. Ainsi, un pour. Un obstacle lui barrait la route, mais rien qui puisse arrêter le grand magicien Amadeus. Ses pouvoirs magiques lui permettaient de soulever des objets. Ah, ses pouvoirs magiques permettent de soulever des objets. Ah, ça a l'air un jeu très très étrange. Amadeus pouvait aussi faire apparaître des boîtes. Si jamais la démo est très courte, hein, je pense qu'on fera peut-être une autre démo en même temps après. Parce que j'ai téléchargé 3 démos. 3 vidéos démos. Moi je trouve ça bien de faire des démos, Fireflav n'aime pas trop, mais bon. Ah, il préfère qu'on fasse des vidéos tests, hein, c'est vraiment le truc qu'il préfère. Ou des vidéos défis. Ah, il aime bien ça aussi. Ça marche une fois sur deux par contre, ça je comprends pas. Là, on se crée une plateforme, c'est quand même plutôt simple. Alors, je vais en créer une ici, si j'y arrive. La lumière se déplaçait à travers la forêt, entraînant Amadeus toujours plus loin. Il est en train de parler, mais j'entends presque rien. Curiosité, il la suivait. C'est vraiment... ça fait à moitié fantastique, et à moitié... c'est un conte, quoi, le truc. Tire 2. Pourtant le nom il fait pas trop compte. Hein. Tire. Ah, j'ai fait un frag. Ah, j'ai fait un frag avec ma magie. Ma magie vaudou. On faut faire quoi là en fait? Faut descendre ce truc. Ok, orienter le stick directionnel. Bon voilà. Aïe mais merde. Bien sûr. Il fallait. Pourquoi de ce côté il descend pas là? C'est pas logique. De la vieille souche. Mais pas de problème. Pour cela, il lui suffisait de et faire voilà, le petit saut. C'est quand même le jeu est quand même très beau. Pour la première impression quand même, c'est ça fait enchanteur et j'ai pas l'habitude de voir ça sur Wii U. Le try. Sur Wii U, on a l'habitude de voir plutôt des jeux à moitié à la Lego City quoi. Ou aussi des jeux cultes comme Donkey Kong. Mais... je peux encore en parler. Rassemblez vos affaires, nous devons sauver le royaume. Quoi? C'est impossible, Pontus. J'ai des enfants qui m'attendent. Je ne peux pas partir comme ça. Mais le royaume a besoin de vos pouvoirs magiques. Oh, ce cauchemar ne finira donc jamais. Au fond de lui, Amadeus savait que le royaume avait à nouveau besoin des héros. Comment êtes-vous arrivé ici? Je vais vous raconter. Ce soir-là, Pontus était allé aider... Ah, c'est marrant ce style-là. En fait, ils sont en train de raconter et en même temps, on joue. C'est pas mal. Donc là, on joue le mec qui a calipé. Donc je pense qu'on va se faire... on va avoir des gunfights, hein, j'en sais rien. En tout cas, le coucher de soleil est super bien fait derrière. Alors, frapper à l'épée avec le bouton R, RZ. Sauf que j'ai changé d'arme, je sais pas comment j'ai fait. Ah, ok. En fait, on change d'arme avec le bouton Y. Excusez-moi. Donc là, on appuie sur bouton A et R, j'en sais rien. Oula, c'est quoi cette attaque? Attends, je vais changer d'arme. Voilà, c'est un peu mieux. Par contre, les gunfights, ça doit pas être un truc très intéressant. Il y a notre barre de vie en haut à gauche, je pense, oui. Ah, ok, Z, L, c'est pour sauter plus haut. Ce bouton A, j'ai l'impression qu'il marche une fois sur deux. Pontus fouille à la ferme sans y trouver personne. Les méchants ont dû fuir en me voyant arriver. Le problème, c'est que j'entends rien de ce qu'ils disent, donc peut-être pousser ça. Ah, moi, je pense que c'est ça. Voilà, pour pouvoir monter là-haut et se faire le méchant. Voilà. Ah, et pour pouvoir faire tourner ça. Non, bon, ça a l'air... oh, purée. Ça a l'air d'être un jeu plateforme, énigme. Ah, même si pour l'instant, il n'y a pas trop d'énigmes, on va dire. Donc pour les pierres, c'est on prend le marteau. Ça a l'air dangereux. Et le bouton R. Ah, le bouton R, c'est pour se protéger de n'importe quel angle. C'est pas mal fait. Sauf l'animation quand il y tourne.
C'est pas terrible. C'est fait en une frappe. Sinon ouais, ça me semble être un jeu assez sympathique, même si je sais pas, je pense pas que je vais me l'acheter. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Je suis Pontius le brave. Et ce ne sont pas des pissenlits qui auront raison de moi. Ok, alors là, faut se faire ça. Faut se faire les espèces de ronces là. Enfin, le train. Pontius n'avait jamais vraiment compris à quoi servait le train. Mais c'est le symbole de la Triforce. C'est le truc qui représente la Triforce, quoi, en gros, c'est ça. Tard ce soir-là, Zoya était tapie dans l'ombre, à l'abri des rayons de la lune. Je dirais que c'est un personnage de World of Warcraft. Ça ressemble, la fille avec son arc. On dirait une magicienne. Même si moi, je n'ai jamais joué à Warcraft. Alors, tirer l'arc, ah oui, d'accord. C'est avec... ah oui, on lâche avec... simplement en lâchant, quoi. En lâchant le bouton R. D'accord. Je vise tellement bien. Allez, quand... Allez, d'accord. Il faut bien bander l'arc, là. Voilà, là, il est bien bandé. Et là, c'est bon pour bien faire une belle... un beau tir. C'est peut-être pour ça que ça s'appelle tir 2. C'est-à-dire qu'on avait eu un premier et je sais pas. J'ai jamais entendu parler de ce jeu. Ça se trouve, c'est connu. Ah bah... Une balancée. Zoya traversa la ville. Il y a un jeu aussi de Sega. Je sais pas si c'est celui-là. Non, je pense pas. Mais j'ai téléchargé une démo où c'est un jeu de Sega. Ça va être style vitesse. Enfin, je sais pas, mais... Voilà, donc on a une espèce de grappin. On peut se balancer à la Tarzan. Bon, niveau gameplay, ça s'enrichit quand même. C'est pas mal. Je trouve que l'univers est unique aussi. C'est la première fois que je vois un jeu assez... qui fait vraiment dessin animé, quoi. Enfin, un jeu qui fait vraiment conte de fées. À la Shrek. Mais sauf que Shrek, c'est plutôt... humour. Elle vit alors une lumière intense faire le tour du clocher. Une comédie, quoi. Donc, Là, faut faire quoi, là ? Utiliser le grappin et... Ah ok, j'ai compris. Se balancer sur la porte là comme un fou. Non. D'accord. Alors juste monter. Bon, en fait j'en sais rien. Ah si. Il fallait que j'appuie sur A pour sauter et me re-accrocher mais en haut. Bon, je sais pas combien de temps elle dure la démo mais on est déjà... On est à 13 minutes. Je peux jamais vous le dire exactement à combien de minutes on est, parce que bon, avec l'intro. Mais bon, vous devez le voir, donc bon, je sais pas pourquoi je le dis. Je sais pas à quoi ça sert les sphères bleues, mais ça m'intrigue et je veux tous les prendre. Toutes les prendre. Le train, ça ne m'arrange pas. Que faites-vous ici au beau milieu de la nuit? Vous n'allez pas recommencer à voler? J'ai une très bonne explication. Dites-moi, où allons-nous? Nous l'ignorons encore. Il se passe quelque chose d'étrange. Une nouvelle aventure. On y va? Ah, en fait, c'est une équipe. Ok, ils se connaissent tous, quoi. Dans une étrange forêt où ils avaient rencontré des gobelins et des animaux. Le crime avait entraîné nos héros dans une étrange forêt où ils avaient rencontré des gobelins et des animaux énormes. Et aussi des nains, non, je parie. Après avoir surmonté les dangers des ruines abandonnées, ils arrivèrent dans une immense marée fumant. Mais ils ignoraient que quelqu'un suivait désormais leur progression avec grand intérêt. Je me demande ce Allez, maintenant on peut switcher entre les différents personnages avec le bouton R. Comme ok. Vous. Je vais prendre Merlin l'enchanteur. Parce que c'est pas mal son pouvoir quand même. Pouvoir créer des plateformes. Mince.
Là, là, il faut souvent switcher comme ça entre chaque perso. Je me fais trucider. Ok, alors on les congèle. Je sais pas comment. Donc elle fait de la glace. Elle fait de la glace avec ses flèches. J'avais pas l'impression que ça faisait ça avant. Je sais pas, on va. Oh là là, c'est quoi ce truc? J'ai fait un gros fail. Bon, par contre, c'est pas terrible comment on se fait toucher. Hein. C'est pas très bien fait. Et puis il saute d'une façon assez bizarre. Parce qu'en fait, quand on saute, on a l'impression qu'elle plane après. Purée. C'est quoi cette IA? C'est quoi cette IA? Il est de dos et il m'attaque pas. Alors que moi, je mets 3 jours à bander mon arc. C'est à moitié la Robin des Bois. Hein. Avec les gobelins en plus. Bah, c'est les Seigneurs des Anneaux, ce truc. Un peu plus enfantin, bien sûr. Merde, je suis tombé. Je crois que c'est. Si Fireflav était avec moi, là, il s'amuserait à celui-là. À ce jeu. C'est un peu son style, hein. Il joue un peu fantastique comme ça. Médiéval. Enfin, c'est aussi son style FIFA. C'est un peu différent. Mais par contre, je sais pas, je voulais dire un truc avant, mais je sais plus ce que je voulais dire. Ok, alors là, faut faire comment? J'imagine qu'il faut prendre Merlin l'Enchanteur et qu'il faut placer une plateforme au milieu, si j'y arrive, voilà. Et sauter avec Merlin l'Enchanteur et ressauter là-bas. Et je me suis planté, mais c'est pas grave. Parce qu'on meurt pas du premier coup, et ça c'est sans doute ça fait office de point de vie, enfin pour récupérer de la vie. C'est peut-être des checkpoints aussi, j'en sais rien. Bon, attends, je vais prendre l'autre là qui m'a l'air plus costaud. Quoique il faut balancer que 2 flèches, alors que lui il faut au moins me donner 6 coups. Enfin, je me suis planté de bouton. Faut vraiment se habituer par contre au gameplay. Baston là! Encore là, ça va, il y a franchement des fioles de vie, il y en a partout quoi. Enfin, j'appelle ça comme ça. Alors, est-ce qu'on peut renvoyer les flèches? Non. Ah, il vise bien quand même, notre pote là. Du premier coup. Bon, on peut pas faire de double saut. Ah, B pour activer le levier. Bon, ça doit être, le bouton B, ça doit être le bouton. Pour interagir avec le décor. Mais qu'est-ce que je fais? Je me fais cramer, mais je suis pas mort. Par contre, ils ont aucune animation hein, quand ils sont touchés. Vite! Oh purée, j'allais me faire écraser. Bon, normalement, je crois que j'ai pas fait le truc normal là, parce que me faire toucher par les flammes. Je crois qu'il fallait que je place une plateforme. Enfin, un bloc. Il y avait un bloc derrière, donc. D'accord. Attends, il y a un truc en surbrillance là. Bah B. Non, Z, Y, n'importe quoi. Ok, c'est que lui qui peut pousser les objets quoi. Ah, ça sert à quoi? Ah si, il faut essayer de le mettre parfaitement comme celui-là là, pour pouvoir plus se faire pousser par le vent. Mais comment? M'amener le bouclier au-dessus de la tête. Attends. Oh, c'est con. Purée, c'est la Rayman style, ça. C'est complètement con. Maintenez le bouclier au-dessus de la tête pour monter. C'est un peu n'importe nawak. Bon, je crois qu'il faut faire ça. Foncez vite. Non, je suis pas assez haut. Je suis pas assez haut. Je vais essayer de mettre ça debout. Bon bah là je l'ai mis debout et. Ah mais non, mais je suis con, pourquoi j'utilise pas Merlin l'Enchanteur? Non. Parce que lui il peut porter les objets si je me souviens bien.
Là, je peux le tourner. De quel côté on va le mettre comme ça? J'en sais rien. Donc là, c'est comme ça. Donc maintenant, on va prendre notre pote avec son bouclier et voilà. Là, ça a l'air marrant comme jeu quand même. Et plateforme, énigme. Et puis action également. Dans un univers un peu bah, gobelin, nain, enfin tout ce que vous voyez. Médiéval, fantastique. J'arrive pas à remonter. Ah, il faut juste rouler la pierre par là et pouvoir monter sur la pierre vite. Et pouvoir... Bon d'accord, je sais pas trop ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Je voulais monter là-haut, mais c'est pas grave. Voilà, est-ce que Merlin l'enchanteur peut se battre? Est-ce que Merlin le papy Moujo? Allez, on arrête. Purée, je me suis planté de bouton. Je me souviens même plus comment fallait faire pour tirer. Donc il y a un bloc ici, mais... Je sais pas trop à quoi ça va nous servir. Ah si, à se protéger de ça. Non, je crois qu'on peut y arriver sans se faire toucher. Le sprint. Je me suis fait toucher. Mais graphiquement, par contre, j'aime bien. Je trouve ça beau. Énigme, aventure, coopération en local et en ligne. C'est incroyable. Amélioration de personnages pour tout style de jeu. La physique rejoint la magie. Des possibilités infinies. Explorer des beaux endroits. Et ben voilà, menu principal. C'est la fin de la démo, je pense. C'est pas très long. Bon voilà, nous avons bon, une idée de ce que c'est, ce jeu. Très étrange au premier abord, parce que j'ai regardé un peu les artworks, ça me faisait bizarre. Ça m'intriguait, mais en fait c'est surtout parce que j'ai téléchargé toutes les démos. Toutes les démos qui étaient intéressantes. Sinon, Lego City, je pense pas que... Je pense pas que je vais télécharger ce truc. Je sais pas s'il y a une démo là-dessus. Et c'est dommage, il n'y a pas de démo de One Piece, ça me fait chier. Mais bon, One Piece c'est obligé, je l'achète lui. C'est obligé. One Piece Ultimate là sur Wii U. Non mais j'ai eu les deux premiers épisodes sur Wii, j'ai adoré donc voilà. Et puis en plus je suis un fan de One Piece donc voilà. Que demander de plus. Donc voilà, sur ce je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures. Je trouve que cette démo était sympathique, même si elle est un peu courte. Mais bon, on peut comprendre parce que c'est un jeu à 20€ à peu près. Donc à la revoyure pour de nouvelles aventures avec Oliver Plasma. Pour une nouvelle démo.